Bonsoir. Hola, buenas tardes. Alors là, on est une situation particulière parce que je présente souvent ce travail en langue allemande, donc la plupart des notions que j'ai dans la tête sont germaniques. Ahora estamos en un caso particular porque normalmente presento este libro en alemán, entonces las nociones que tengo en las palabras son más germánicas en alemán. Alors maintenant je les traduis de l'allemand en français, je les dis en français. Elles sont traduites du français en espagnol, puis de l'espagnol en anglais. Alors, aquí estamos en intercultural, el hablar francés, aquí está en español, y desde la cabina van a mandar en inglés. Alors, je salue Juan qui est dans la salle, qui est mon éditeur en espagnol. Pour vous présenter le livre, le voilà, je vous le présente. Saludo a Juan, mi editor español, y les presento este libro, ahí está. Et en réalité, pour la présentation du livre, c'est terminé. Ah, ya se termina la presentación del libro. Alors, j'imagine que vous vous posez des questions. Effectivement, j'ai bien aimé comment ça a été présenté. On parle toujours du point de vue des adultes. Moi, je suis un enfant. Me imagino que os interesa también el punto de vista, porque siempre se habla del punto de vista de los alumnos, y yo soy un niño. Je vais vous donner beaucoup de place pour les questions, mais je vais vous dire deux, trois choses avant. Vais a tener mucho tiempo luego para las preguntas, solo os quiero indicar tres cosas primero. Alors tout d'abord, je suis un enfant des plus banals. Primero, soy un niño de los más normal. Banal. Banal se dice, no, se dice normal. Banal también. Voilà. Tout ce dont je vais parler, c'est en aucun cas un mérite personnel. Que de todo lo que voy a decir, no hay ningún mérito personal. Tout ce que je raconte arrive à n'importe quel enfant dans la situation dans laquelle j'étais. Todo lo que pueda contar es lo que le puede pasar a cualquier niño en la misma situación. Je ne suis ni surdoué. No soy ni superdotado. Ni spécial. Ni especial. Je ne suis pas admirable. No soy admirable. S'il y a quelque chose d'admirable, à la rigueur, c'est l'attitude et la décision de mes parents il y a 42 ans. Si hay algo admirable, en cualquier caso, sería la actitud de mis padres hace 42 años. Alors, pour me présenter rapidement, bonsoir, je m'appelle André, je suis un enfant de 42 ans, je suis un garçon, je ne mange pas de bonbons et je ne vais pas à l'école. Ahora, si tengo que presentarme, soy un niño de 42 años, no como golosinas. C'est parce que ça repose sur une phrase que je disais quand j'étais enfant. Alors, quand j'étais petit, je me présentais avec une phrase. Me presentaba siempre con la misma frase. Bonjour, je m'appelle André. Buenos días, me llamo André. J'ai 6 ans. Tengo 6 años. Je suis un garçon. Soy un niño. Je ne mange pas de bonbons. No como golosinas. Et je ne vais pas à l'école. Y no voy al cole. Et aujourd'hui. Y hoy. Je dis bonjour. Dice buenos días. Je suis un garçon. Soy un chico. Je suis un enfant de 42 ans. Soy un niño de 42 años. Je ne mange pas de bonbons. No como golosinas. Et je ne vais pas à l'école. Y sigo sin ir al cole. Alors, pour parler avec vous, c'est un peu différent, parce que j'ai l'habitude de raconter cette histoire à des gens qui n'ont encore jamais entendu parler de la possibilité de ne pas aller à l'école. Aquí hoy es un poco diferente, porque normalmente hablo con personas que nunca han oído hablar de la posibilidad de no ir al colegio. Alors, c'est pas à vous que je vais en expliquer la pertinence. Claro que a vosotros no os voy a explicar la pertinencia de no mandar a los niños al cole. Mais je vais peut-être vous parler de certaines choses que même nous, les unschoolers, les home educators, moi je suis un unschooled, nous avons oublié. Pero les voy a hablar de lo que yo, unschooler, puedo hablar, porque hay cosas que ciertas cosas que se han olvidado. J'entends souvent, dans les milieux des home educators, j'entends souvent la question comment amener les enfants à travailler, à la discipline, à apprendre. Muchas veces en el mundo de los unschoolers oigo las preguntas ¿cómo llevar al niño a estudiar, a aprender, a la disciplina? Alors, je le répète, je suis un unschooler. Je n'ai jamais été enseigné. Lo repito, soy unschooler, que nunca me enseñaron nada. Cependant, la question se pose. Sin embargo, se hace la pregunta.
La chose que nous avons oubliée, c'est que nous venons tous au monde avec. Nous venons tous au monde. La chose que nous avons oubliée, c'est que nous venons tous au monde. Lo que hemos olvidado es que todos venimos al mundo avec le plus génial, le plus approprié, le plus idéal des dispositifs d'apprentissage. Es que venimos con el más genial, apropiado. Adaptado. Dispositivo de aprendizaje. Le jeu. El juego. Alors c'est très très intéressant. Es muy interesante. Parce que c'est la première chose et la seule chose que fait un enfant qu'on laisse tranquille. Porque es lo primero y la única cosa que hace un niño cuando le dejamos en paz. Si on n'influence pas un enfant, si no influimos al niño, c'est la première et la seule chose qu'il fait. Es la sola y única y primera cosa que hace. C'est quand même étonnant. Es bastante extraño. Que personne ne se soit posé cette question toute simple. Que nadie se haya preguntado nunca esa pregunta sencilla. Si le jeu est la première activité à laquelle se livrent les enfants, si el juego es la primera actividad que tienen los niños, c'est peut-être qu'elle est très importante pour eux. A lo mejor es porque es muy importante para ellos. Et peut-être qu'on pourrait aussi se poser la question que personne ne s'est posée. Y también podríamos hacernos la pregunta que jamás nunca se ha preguntado. Qu'est-ce qu'il arrive? ¿Qué pasa? Si on laisse un enfant jouer toute sa vie sans jamais le déranger. ¿Qué pasa si dejamos a un niño jugar toda su vida sin molestarle? Sans intervenir. Sin intervenir. Sans attendre. Sin esperanza. O sea, sin esperar nada. Personne ne s'est posé cette question. Nunca nadie se lo preguntó. Donc personne n'a fait l'expérience. Entonces nadie hizo el experimento. C'est étrange. Es muy raro, ¿no? Si on voit les enfants, quand on les voit jouer, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui se passe si on n'intervient pas? Claro, porque la pregunta sería, ¿qué pasa si no intervenimos en los juegos del niño? Je ne sais pas vous, mais moi ça m'étonne beaucoup que personne n'ait voulu faire cette expérience. Yo no sé vosotros, pero a mí me parece muy raro que nunca nadie haya hecho la experiencia. Moi je l'ai faite. Yo lo he hecho. Je joue depuis 42 ans. Llevo 42 años jugando. Alors, je parlais des attentes. Estaba esperando de lo que se esperaba. Les attentes, ça c'est une chose qui concerne les parents, mais aussi les enfants, mais surtout les parents. Je suis père entre-temps. Lo que se espera es sobre todo tema de los padres. Ahora yo mismo, él es padre. Alors, je donne un exemple de non-attente. Os doy un ejemplo, por ejemplo, cuando no se espera nada. Mon papa m'emmène au planétarium. Su papá le lleva al planetario. On y va tous les deux, j'avais 4-5 ans. Van juntitos cuando tenía 4-5 años. On ressort enthousiaste. Salimos entusiasmados. Lui, parce que pendant une heure et demie, il en avait appris énormément sur les processus du ciel. Él porque durante hora y media había aprendido muchísimo sobre las cosas del cielo. Et il était tellement satisfait de ce qu'il avait appris. Y estaba tan contento con lo que había aprendido. Il n'avait tellement pas d'attente me concernant. Y no esperaba nada de lo que él había aprendido. Qu'il n'a pas trouvé pas rentable. Que no le ha parecido rentable. Non rentable. Non rentable. Que no le pareció rentable. No, que ça ne lui a pas paru. Qu'il n'a pas considéré ça comme non rentable. Ah, que no le pareció no rentable. D'avoir payé le prix de l'entrée. Haber pagado el precio de la entrada. Pour son fils. Para su hijo. Qui pendant une heure et demie. Que durante hora y media. N'a fait que regarder la machine au milieu de la pièce. Solo estuvo mirando la máquina en medio de la habitación. Au bout d'une heure et demie de planétarium. Tras hora y media de planetario. Je savais parfaitement comment fonctionne un planétarium. Sabía perfectamente cómo funcionaba un planetario. Ça, c'est ce que la neurobiologie appelle shared attention. Eso es lo que la neurobiología llama la sharing attention. Alors, un autre exemple d'attente. Mon fils aime les camions. A su hijo, por ejemplo, le gustan los camiones. J'ai trouvé un camion de 62 cm. He encontrado un camión de 62 cm.
magnifique dans une superbe boîte. Magnifique en una caja preciosa. Je l'ai ramené à la maison. Lo ha traído a casa. Mon fils est venu. Su hijo ha llegado. Avec des yeux comme ça. Con los ojos así de grandes. Et moi aussi. Y él también. Je lui ai donné le camion de 62 cm. Le ha regalado el camión de 62 centímetros. Il l'a déballé. Lo ha abierto. Y il a joué pendant 3 jours. Estuvo jugando 3 días. Avec l'emballage. Con la... C'était à propos des attentes. Je voudrais vous parler aussi d'autre chose. J'ai la chance de travailler avec un neurobiologiste. Tengo la suerte también de trabajar con un neurobiologista. Qué sorpresa. Un neurobiólogo. Extrêmement progressiste en Allemagne. Muy muy progresista en Alemania. Et par chance, très reconnu là-bas. Et también muy reconocido ahí. Et il nous raconte des choses très intéressantes qui vont vous intéresser, vous, les home educators. Y nos cuenta cosas muy interesantes que nos van a interesar a los homeschoolers. Home educators. D'abord, on a cru qu'il y avait des gens intelligents et des gens bêtes. Primero se creyó que había gente inteligente y otros tontos. Ça, c'était très pratique. Eso era muy práctico. Parce qu'on appartenait à une catégorie, on y restait toute sa vie. Porque eras de una categoría y ahí te quedabas toda la vida. Et c'était pratique parce que des parents bêtes. Y eran práctico porque unos padres tontos. Produisaient des enfants bêtes. Pues tenían niños tontos. C'était très pratique. Es muy práctico. Et puis récemment, on s'est rendu compte de quelque chose d'inattendu. Hace poco nos hemos dado cuenta de una cosa bastante nueva. Les neurobiologistes se sont rendus compte que la zone qui commande les pouces... Los neurobiólogos se han dado cuenta de que la zona que manda los pulgares est énormément plus développée chez les jeunes de 15 ans aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Es muchísimo más desarrollada en los chicos de 15 años de ahora que de los de hace 20 años. Et ça, ça a été une découverte majeure, ça voulait donc dire que le cerveau peut se développer. Eso es un descubrimiento mayor, porque significa que el cerebro se puede desarrollar. Comme un muscle. Como un músculo. Ce n'est donc pas génétique. Entonces no es genético. Et ce n'est pas atavique. No es atávico tampoco. Ah, alors on s'est dit donc, dont on hérite par ses parents. Donc... développons des programmes de musculation cérébrale. Entonces, podríamos desarrollar programas de desarrollo de músculo. De musculación cerebral. Músculo cerebral. Par exemple, des sudoku au petit déjeuner. Sudoku para el desayuno. 5 langues à l'école maternelle. 5 idiomas en la escuela infantil. Et ça n'a pas marché. Y no funciona. Alors ils n'ont pas compris parce que l'usage intensif du SMS provoque une zone grosse comme ça. Y no han entendido porque, claro, el uso intensivo del envío de SMS aumenta el tamaño del cerebro. La zona de pouce. La zona de los pulgares. Mais si on fait un entraînement intensif en mathématiques. Pero si te entrenas intensivamente en matemáticas. La zona de matemáticas no se développe pas. La zona de las matemáticas no se desarrolla. Dommage pour le programme de musculation. Qué pena para el programa de musculatura cerebral. Et c'est là que la neurobiologie a fait la découverte majeure. Y es cuando se hizo un descubrimiento mayor en neurobiología. Le cerveau se développe là où nous l'utilisons avec enthousiasme. Ah, el cerebro se desarrolla donde lo utilizamos con entusiasmo. Ça, c'est pas une théorie. Eso no es una teoría. Ce n'est pas ésotérique. No es esotérico. C'est quantifié, mesuré, quantificado, mesurado, expliqué, décortiqué. Explicado, descortizado. Bueno, lo habéis entendido. Par la science. Por la ciencia. Et quelle joie que la science prouve en des années de recherche. Y qué bueno que por fin la ciencia muestre tras años de investigación. Prouve ce que nous savons déjà tous. Pruebe lo que nosotros sabemos ya todos.
que dans un état d'enthousiasme, que en un estado de entusiasmo, nous avons des ailes. Tenemos alas. Apprendre n'est plus un acte. Aprender ya no es un acto. Apprendre nous arrive comme un effet secondaire. Aprender es, nos llega como un efecto secundario. L'enthousiasme est gratuit. El entusiasmo es gratuito. L'enthousiasme est l'engrais du cerveau. El entusiasmo es el abono del cerebro. Et l'enthousiasme a un effet secondaire. Y el entusiasmo tiene un efecto secundario. Un effet secondaire que j'ai vécu moi. El efecto secundario que yo he vivido. Et un effet secondaire que vous avez vécu vous. Y un efecto secundario que habéis vivido vosotros. L'effet secondaire de l'enthousiasme. L'effet secondaire de l'enthousiasme, c'est la compétence. El efecto secundario del entusiasmo es la competencia. Parce que quand tu t'enthousiasmes pour quelque chose. Porque cuando te entusiasmas por algo. Eh bien, tu deviens de plus en plus compétent. Entonces, eres cada vez más competente. Parce que l'univers conspire pour te rendre de plus en plus compétent. Porque el universo conspira para que seas cada vez más competente. C'est comme quand le cousin collectionne les bouchons de bière. Es como cuando el primo colecciona las tapas de cerveza. Toute la famille collectionne les bouchons de bière pour les lui offrir à Noël, à Pâques, à son anniversaire, etc. Toda la familia colecciona las tapas de cerveza para regalarle para las fiestas. C'est pareil avec les connaissances. Lo mismo con el conocimiento. Avec les enthousiasmes. Con el entusiasmo. Mais l'enthousiasme ne suffit pas, il faut du temps. Pero el entusiasmo no es suficiente, se necesita tiempo. Quand je me suis enthousiasmé pour l'allemand, cuando empecé a entusiasmarme por el alemán, j'ai pu faire 6, 7, 8 heures d'allemand par jour. Pude estudiar alemán 6, 7, 8 horas al día. Personne n'est venu au bout de 45 minutes me dire c'est assez d'allemand, maintenant on va faire des mathématiques. Nadie vino después de 45 minutos para decirme, bueno, pues ahora toca matemáticas. Donc je pouvais continuer à jouer. Entonces, podría seguir jugando. Et ça c'était important parce que faire une interruption n'était pas un problème pour moi. Eso estaba, era muy importante por hacer una interrumpir no era un problema para mí. Je savais, je pouvais continuer à jouer demain matin exactement là où j'arrête ce soir. Porque sabía que al día siguiente por la mañana podría volver exactamente a donde estaba haciendo. Je n'avais pas peur. No tenía miedo. D'aller quelque part. De mañana ir a otro sitio. De devoir aller quelque part. De tener que ir a otro sitio. Ou que quelqu'un range ma ferme en Lego. O que alguien le ordenara la granja de Lego, por ejemplo. Alors, je vous disais que la compétence n'est que l'effet secondaire de l'enthousiasme. Entonces, como os decía, el ser competente es el efecto secundario del entusiasmo. La compétence elle-même a un effet secondaire. Y la competencia, el ser competente también tiene un efecto secundario. C'est la réussite. Es el éxito. La réussite sociale, professionnelle, etc. L'éxito social, profesional, etc. Que l'on nous vend comme un but en soi. Que nos venden como una blusa de seda. Comme un but à atteindre. Como un objetivo al que llegar. On est prêt à tout sacrifier pour la réussite. Por el éxito podemos sacrificarlo todo. La réussite n'est que l'effet secondaire. Pero el éxito es solo el efecto secundario. De l'effet secondaire. Del efecto secundario. De l'enthousiasme. De l'enthousiasme. Entonces, enthousiasmez-vous. Entonces, entusiasmaos. Entusiasmados. Je voulais encore vous raconter une dernière chose, après je vous libère. Os quería contar otra cosa, después ya os libero. Souvent on me dit, ah oui, mais bien sûr, tu as eu une chance énorme. Claro, muchas veces me dicen, oui, que claro, has tenido muchísima suerte. Un privilège. Un privilegio. Des parents. Padres. Beaucoup de parents n'ont pas le niveau financier et intellectuel. Muchos padres no tienen el nivel intelectual y económico. C'est un complet retournement de la vérité. Y eso es totalmente otra vuelta que hay que darle a la realidad. La réalité est strictement à l'inverse. Es, la realidad es absolutamente contraria. Mes parents ne se sont pas réveillés un jour en se disant oh, c'est génial, toutes les conditions sont réunies. Mis padres no se han despertado un día diciendo uy, qué maravilla, todas las condiciones están reunidas. Puisque les conditions sont réunies, ya on va pas envoyer les enfants à l'école. Ya que las condiciones están reunidas, pues no mandamos a los niños al cole. C'est strictement l'inverse. Es absolutamente lo contrario. Ils ont pris la décision de ne pas envoyer les enfants à l'école. Han decidido
que toma la decisión de no mandar a los niños al cole. Et à partir de ce moment-là, ils ont inventé les circonstances qui rendaient cela possible. Y entonces a partir de ahí han inventado las circunstancias para hacerlo. Pour le rendre possible. Para hacerlo posible. Alors mon histoire, ce que je peux vous raconter à vous, et puis maintenant je vais répondre à vos questions, si vous en avez, c'est juste de vous rappeler la confiance. Entonces, la historia que os puedo decir antes de contestar las preguntas es recordar la confianza. Et cette question qu'on peut tous se poser et à laquelle on peut tous répondre. Y esta pregunta que todos nos podemos hacer y que todos podemos contestar. Qu'est-ce qui se passe si on laisse un enfant jouer toute sa vie? ¿Qué pasa si dejamos a un niño jugar toda su vida? Pourquoi aurions-nous peur de cela? ¿Por qué tendríamos miedo de esto? Puisque c'est la disposition spontanée de chaque enfant. Ya que es la disposición espontánea de cada niño. C'est quand même pas un hasard. No es un hasard. Allez, à vous. Ahora os toca. J'ai dit que c'était banal. Hein. Perdona? Ha dicho que era banal. No traduzco bien lo de banal, pero. Es como normal, pero me obligo a decir banal. Es insustancial. Sí, vale. En ese sentido, no sé cómo. Yo muchas veces me doy cuenta de que. Como adulta. Me cuesta recuperar ese entusiasmo o jugar o de algún modo lo que decíamos ayer como fluir, ¿no? Y yo muchas veces veo que eso es lo que realmente le transmito a mi hijo, ¿no? Yo no sé si tú has visto muy entusiasmados a tus padres y eso ha hecho que tú sepas entusiasmarte y de algún modo, no sé, es como... Yo creo que en cualquier momento podemos volver a entusiasmarnos, ¿no? Pero hay alguna... No, mais je te laisse le micro, je vais répondre fort pour que tu m'aies un petit compte sur la passée. Alors, l'enthousiasme c'est tout simple, il suffit d'avoir des enfants. Et de les regarder. Et regardez-les. Parce que, et là c'est les statistiques de la neurobiologie. Un enfant... Un niño... vit un torrent d'enthousiasme, un enfant de 2-3 ans. Un niño de 2-3 años vit un torrent d'enthousiasme. Un río corriente, gracias, de entusiasmo. Toutes les 3 minutes. Cada 3 minutos. Et si tu regardes un petit enfant, regarde, tu vas le voir. Y si miramos un niño pequeñito, lo vas a ver. C'est... Ya está. Et ça va t'enthousiasmer. Pendant qu'on parle de statistiques, vous savez ce que disent les statistiques sur les adultes? Mientras estamos hablando de estadísticas, ¿sabes lo que dicen las estadísticas sobre los adultos? La même quantité d'enthousiasme. La misma cantidad de entusiasmo. Se mesure chez un adulte. Se mide en un adulto. 2 ou 3 fois par an. 2 ou 3 veces al año. Mais il suffit de regarder un petit enfant et de s'accompagner d'une question toute simple. Pero solo hay que mirar a un niño pequeño y pensar en una pregunta muy sencilla. La curiosité qui a porté mes parents pendant toute leur vie. La curiosidad que ha llevado mis padres durante toda su vida. Et qui continue à les porter. Y que lo sigue llevando. Pour regarder maintenant la deuxième génération, mon fils. Miramos ahora la segunda generación, mi hijo. La question toute simple, c'est quel sera le prochain pas naturel dans la disposition spontanée de l'enfant?
Quel sera le prochain pas naturel? La pregunta sencilla es ¿cuál será el próximo paso natural? Dans la disposition spontanée de l'enfant. En la disposición espontánea del niño. Et non la question par quel acte pédagogique? Y no la pregunta ¿por qué etapa qué acto pedagógico? Pourrions-nous introduire l'étape suivante? Podríamos introducir la etapa siguiente. Vous voulez un exemple pratique? ¿Queréis un ejemplo práctico? Antonin, mon fils. Antonin, su hijo. À deux ans. Cuando tenía dos años. Tout d'un coup, s'est mis à dire. De repente empezó a decir. Deux, quatre, six. Dos, cuatro, seis. Et à ce moment-là, tout enfant. De momento, cualquier niño. Se tourne, même si ce n'est pas géographiquement. Gira hacia, aunque sea no geográficamente, vers ses personnes de référence primaire. Hacia sus personas de referencia primaria. Et il attend un feu vert. Está esperando como un visto bueno. Un acquiescement. Eso que ahora mismo padres, ¿cómo se dice en español? Una confirmación. Un acquiescement. Bon, voyez, que le, un acquiescement, un oui. Oui, si. Et quand il reçoit cet acquiescement, l'enfant est comme sur des rails. Entonces, el niño está como en una vía. Nous, pas parce que c'est une décision, pas parce qu'on est toujours en train de guetter la chose à acquiescer. Nosotros porque no estamos siempre buscando el momento para así. Mais parce que c'est l'air que nous respirons. Pero porque es el aire que respiramos. On lui a donné notre acquiescement. Le hemos dado nuestra confirmación, ¿verdad? Bueno. Nous avons accueilli. Sí, hemos accedido. C'est très important parce que quelques jours plus tard, dans le monde des autres, il s'est trouvé un adulte très choqué. Il nous a dit, oh, mais vous ne pouvez pas le laisser dans cette erreur. Que no le podemos dejar en este error. Dos, cuatro, seis. D'abord, on ne dit pas sif. Primero no se dice sí. Mais viens Antonin, viens, viens. Entonces, le cogen al niño y le dicen, ven aquí. Alors, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et Antonin répond, 2, 4, 6. Et le niño contesta lo mismo, 2, 4, 6. Si nous avions partagé le point de vue de cette personne, si hubiésemos estado desde el mismo punto de vista que esta persona, au moment où l'enfant s'est tourné vers nous, en el momento que el niño se giró hacia nosotros, nous n'aurions pas accueilli 2, 4, 6. No habríamos acogido o confirmado el 2, 4, 6. Mais il aurait senti que nous préférons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero hubiese sentido que lo que esperábamos que preferiríamos era 1, 2, 3, 4, 5. Quelle responsabilité! Quelle responsabilité énorme nous avons en tant que personne de référence primaire! Siendo referencia de personas primarias, tenemos muchísima responsabilidad. Parce que l'enfant cherche le lien. Porque el niño busca el enlace. Nous naissons avec deux nécessités de base. Nacimos con dos necesidades de base. Le lien. El enlace. Et l'autonomie. Y la autonomía. Et il n'y a pas l'un sans l'autre. Y no hay el uno sin el otro. L'enfant cherche tellement le lien. Le lien. El niño busca tanto el nexo qu'il est prêt à abandonner sa disposition spontanée que está dispuesto a abandonar su disposición espontánea au nom de ce qui est bien accueilli par sa personne de référence primaire
en nombre de lo que la persona de referencia primaria va a aceptar. La preferencia de la persona de referencia primaria. La preferencia de la persona de referencia primaria. Prendra le dessus sur la disposition spontanée de l'enfant. C'est la más importante que la disposición. La disposition spontanée de l'enfant. Spontanée del niño. Et le jour où Antonin a dit quelques temps plus tard. Y algunos días más tarde cuando Antonin a dicho. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Nous n'aurions pas pu savoir si c'était son évolution naturelle. No hubiésemos podido saber si era su evolución natural. Ou si c'était le fruit d'une influence. O si era el fruto de una influencia. C'est pour ça cette responsabilité énorme en tant que personne de référence primaire. Por eso tenemos esa responsabilidad enorme siendo la persona de referencia primaria. Ou vous accueillez la disposition spontanée. O confirmáis la disposición espontánea. Ou vous imposez votre préférence. O usted impone su preferencia. C'est un peu plus que ta question. Estoy contestando un poquito más, ¿no? Bueno, para empezar yo quería agradecerte enormemente, André, que has venido aquí a contarnos eso, porque yo creo que, como yo le contaba antes a la gente que tiene niños pequeñitos, que no tengan miedo, que esto funciona, que los niños están hechos para todo eso, no hace falta hacer nada, solo no estorbar, ¿no? Pues ahora tú que tienes más años para contarlo, pues creo que para los que tenemos hijos adolescentes, pues nos sirve mucho saber eso. Estos miedos, ¿no? De si le dejas mucho tiempo, si juega demasiado. ¿Es que van a devenir asocial, analfabet, chômeur? La pregunta es, ¿cuántos hijos van a ser desempleados, analfabetas, asociales? Claro, entonces yo creo que a todos nos da mucha tranquilidad oír de un niño de 42 años que juega. Avec entusiasmo. Con entusiasmo. Más de 3 veces al año que es ya fuera de norma. Pero yo me pregunto si... Claro, porque a esos datos de neurobiología llegamos por casualidad y lo encontramos y decimos, ¿cómo es posible que sabiendo todo eso, eso no está en primera plana en los periódicos? Porque eso sería como no solo para los servicios sociales, es que sería para los abuelos, para todos. Cállate ya, deja al niño en paz, deja al niño en paz, deja de enseñar al niño. El niño tiene su vida, tiene todo el derecho a equivocarse, porque hay como un miedo a la equivocación. Y cuando un bebé coge estos cubitos cuadrados y lo quiere meter en el círculo, y viene un adulto, le coge la mano y dice dónde hay que meterlo. Incluso cuando un niño quiere jugar al ajedrez, así no se juega, no, así no se juega, ¿verdad? Entonces yo digo, si esto se sabe, porque se sabe, ciencia no es esoterismo, no es una teoría, un invento, se sabe. Entonces yo digo, ¿cómo podemos llegar a divulgar eso para que eso se sepa socialmente? Il faut le raconter. Hay que contarlo. C'est ce à quoi je consacre ma vie actuellement. Es lo que él hace actualmente en su vida. Parce qu'on a un manque d'informations. Porque nos falta información. 99% des gens dehors. El 99% de la gente que está afuera. Non seulement ne savent pas que c'est possible. No solo no saben que es posible. Mais sont sûrs que si tu ne vas pas à l'école. Están seguros de que si no vas al colegio. Tu seras asocial, analfabète. Serás asocial, analfabeta y. On est entretenu dans une croyance fausse. Nos mantienen en una creencia falsa. Mais c'est simple de s'informer. Pero es fácil informarse. Et après c'est un effet domino. Y después es un efecto domino. Alors merci à Juan d'avoir le courage de publier ce livre. Gracias a Juan por tener la valentía de publicar este libro. Et le changement viendra pas d'en haut, il viendra d'en bas. Y el cambio no vendrá de arriba, sino que vendrá de abajo. Par exemple, tous les gens qui sont en échec scolaire. Por ejemplo, todos los que están en fracaso escolar. On oublie toujours de parler de ceux qui depuis des générations ont raté l'école. Siempre se, nunca hablamos de ellos, los que de generación en generación han fracasado en el plan escolar. Qui vivent dans un monde de peur. Los que viven en un mundo de miedo. Qui vivent dans la sensation qu'ils ont tout raté et qu'ils n'arriveront jamais à rien parce qu'ils n'ont pas de diplôme. Que viven en la sensación que nunca llegarán a nada porque no tienen diploma.
diplomas. Je parle avec eux. Yo hablo con ellos. Et je leur dis, ce n'est pas vrai que sans diplôme, on n'arrive à rien. Y yo les digo que no es verdad que sin diploma no se llega a nada. Je leur dis, là on n'est plus dans le, là on n'est plus dans le débat école ou pas école. Ahora ya no estamos en el debate escuela o no escuela. Je leur dis, tu peux avoir autant de succès, voire plus de succès que les autres. Les digo que puedes tener tanto o más éxito que los demás. S'ils sont très compétents. Incluso si son muy competentes. Et que pour être compétent, porque para ser competente, il leur suffit d'être enthousiaste. Solo hace falta ser enthousiaste. Et de trouver leur enthousiasme. Y encontrar el entusiasmo. Et d'oublier les hiérarchies entre les enthousiasmes. Y olvidar las jerarquías entre los entusiasmos. Je veux vous raconter quelque chose à ce sujet, mais quand tu dis ça à ces gens-là, os voy a contar después una cosa sobre este tema, pero cuando dices esto a la gente, c'est comme si tu enlevais le couvercle de la marmite. Es como si quitaras la esta que no sé cómo se dice de la olla a presión. Et tu leur redonnes espoir. Y les devuelves la esperanza. C'est pas vrai que le changement viendra. Son la cosa que yo lo que quiero decir es que mi hijo siempre me lo dice. Él lo sabe perfectamente, los niños saben perfectamente que se aprende jugando, que y que no les interrumpamos, pero nosotros como que no queremos mucho. Bueno, hacemos el esfuerzo, yo creo, pero no queremos mucho escucharlo, siempre queriendo estar en medio entre lo que hay que y lo que dice él, y no. Ahora, es voilà. Una confirmación, ¿no? Je vais vous raconter une histoire. Os voy a contar una historia. Bon. Je vais vous parler d'Antonin. Os voy a hablar de Antonin. 3 ans. 3 años. Il traverse la ville en noir et blanc. Cruza la ciudad en blanco y negro. Et laisse derrière lui une trace colorée. Y deja detrás de él una huella coloreada. Je vous raconte la promenade dans notre rue. Os cuento el paseo por nuestra calle. La première chose que nous rencontrons, c'est le camion poubelle. Lo primero que vemos es el camión de la basura. Et Antonin ne connaît pas la hiérarchie entre les métiers. Y Antonin no sabe la jerarquía entre los empleos. Et tout d'un coup, on va mettre une heure. De repente vamos a estar una hora. Pour aller du numéro 160 au numéro 3. Para ir del número 160 al número 3. Parce que Antonin prend l'enfant qui est en moi par la main. Porque Antonin coge el niño que llevo dentro por la mano. Et nous suivons le camion poubelle. Y seguimos el camión de la basura. Et on regarde tout ce qui se passe. Y miramos todo lo que pasa. Et les éboueurs ont remarqué Antonin. Y la gente que hace este trabajo se han dado cuenta de que está Antonin. On remarquait qu'il n'a pas de hiérarchie dans les métiers. Han visto que no tenía la jerarquía entre los empleos. Et maintenant, quand Antonin se promène dans la rue, y ahora cuando Antonin pasea por la calle, tous les chauffeurs de camions poubelles, todos los conductores de los camiones de la basura, klaxonnent, hacen esto, et lui font des grands coucou, y les saludan así. Alors on va un peu plus loin. Entonces vamos un poquito más lejos. Le feu est rouge, il y a une voiture de police garée. El semáforo está rojo y un coche de policía parado. En noir et blanc. En blanco y negro. Et Antonin vient. Antonin va. Sans peur, sans hiérarchie. Et regarde et s'enthousiasme pour la voiture de police. Mira y se entusiasma por el coche de policía. La voiture de police ne démarre pas au feu vert. El coche de la policía no arranca cuando pasa el semáforo en verde. Parce que les policiers sont occupés à lui expliquer sur quel bouton il faut appuyer pour démarrer porque les gyrophares. Porque los policías le están enseñando en qué botón hay que tocar para poner las cruces estas. Les autres voitures derrière n'ont pas klaxonné. Los coches que están detrás tampoco han pitado. On a continué notre chemin, on arrive à un chantier. Seguimos y llegamos a un sitio donde hay obras. Où il y a une énorme pelleteuse. Donde hay un enorme excavador. Es que es para que el público participe. Où le monsieur escave toute la journée. El señor escava todo el día. Et Antonin reste là. Y Antonin se queda ahí. Et on est resté une heure à regarder la pelleteuse. Y una hora se quedaron mirando la excavadora. Et tout d'un coup, le chef de chantier est venu me voir. Y de repente el jefe de las obras viene a verle. Et je me suis dit, il va me dire, faut pas rester là. Y yo pensé, oups, me va decir que no tenemos que ir. Il m'a dit, oh, vous avez un enfant merveilleux. Uy, tenía un niño maravilloso. Il a pris Antonin. Ha cogido a Antonin. Et il l'a mis
dans la pelleteuse. Il l'a posto en la excavadora. Sur les genoux du conducteur. En las rodillas del conductor. Et ils ont conduit la pelleteuse. Y han estado conduciendo la excavadora. Et tout le monde était joyeux et tout le monde riait. Y todos estaban contentos y se reían. Je vais finir ma promenade avec, parce que je vous la raconte pour vous expliquer quelque chose. Y ahora llegamos al final del paseo, que es lo que nos quiero contar. On arrive devant une pizzeria où nous allons parfois. Llegamos donde una pizzería donde a veces vamos. Et là, Antonin remarque que la fenêtre de la cuisine est ouverte. Y ahí Antonio ve que la ventana de la cocina está abierta. Et qu'il peut regarder dedans. Y que puede mirar para adentro. Alors Antonin commence à être très lourd. Mais je l'ai porté pendant une heure. Parce qu'il a regardé le pizzaiolo faire les pizzas. Le pizzaiolo est indien. Il a remarqué quand Antonin le regarde. Et il lui a fait en très mauvais français la remarque suivante. Toi, pas restaurant. Tu no restaurante. Toi, école. Tu, école. Faire... Oh, escuela, pardon. Apprendre bien. Tu, aprender bien. Pas cuisine. No cocina. Ah. Et cet homme était en noir et blanc. Y este hombre estaba en blanco y negro. Mais Antonin, cette remarque, il ne l'a pas comprise, il ne l'a pas entendue. Pero Antonin, esto no lo ha entendido. Il a commencé à commenter ce que faisait le pizzaiolo. Y ha empezado a decir lo que hacía el pizzaiolo. Regarde, il tire la pâte sur la grande pelle. Estira la pasta sobre la pala grande. Et regarde, il met la pelle dans le four. La mette en el horno. Il sort l'autre pelle. Saca la otra. Il y a un œuf. Pone un huevo. Et le pizzaiolo regardait et souriait. Il disait, oui, un œuf. Y el pizzaiolo le miraba y decía, sí, mira, un huevo. Et puis, comme il était sous le regard de cet enfant enthousiaste. Y como lo estaba mirando este niño con tanto entusiasmo. Il s'est mis à danser un petit peu en faisant ses pizzas. Il a fait tourner la pâte pour montrer à Antonin. Et quand il a mis la sauce tomate, et puis quand il a sorti le fromage, il a commencé à être très virtuose. Et à attraper les pizzas. Faire toute une danse, toute une... Il trouvait son métier cool. Et ahí sí que haciendo esto bajo los ojos de este niño le parecía guay su trabajo. Antonin a ensemencé. Autant qu'il a appris. Tanto como ha aprendido. C'est un échange dans la vraie vie. Es un intercambio en la vida real. Et je vous promets que ce pizzaiolo n'est plus en noir et blanc. Y os prometo que este pizzaiolo ya no está en blanco y negro. C'est contagieux. Es contagioso. L'enthousiasme. El entusiasmo. Le jeu. Et la ville aurait une toute autre figure. Y la vida sería totalmente diferente. La ville. La ville. Ah, la ciudad, perdón. Es que ya estaba en la ville. Está bonito lo que cuenta. La ciudad sería muy diferente. La ville serait différente si toutes les voitures de police ne partaient pas au feu vert. La ciudad sería muy diferente si no todos los coches de policía arrancaran cuando es verde. Si tous les éboueurs klaxonnaient. Si todos los sobres del camión de basura klaxonaran. Si les pizzaiolos dansaient. Si los pizzaiolos bailaran. Comme les conducteurs de pelleteuse. Como los conductores de... Et vous savez, ce n'est pas parce que Antonin est un enfant spécial. Et no es porque Antonin sea un niño especial. Antonin est un enfant très banal. Antonin es un niño muy normal. Mais Antonin est un enfant dans la ville. Pero Antonin es un niño en la ciudad. Et il n'y a pas d'enfant dans la ville. No hay niño en la ciudad. Personne ne sait ce qu'est un enfant. Nadie sabe lo que es un niño. On sait ce qu'est un écolier. Sabemos lo que es un escolar. Mais un enfant dans la ville, on n'en voit jamais. Pero un niño en la ciudad nunca se ve. C'est la seule différence d'Antonin. Esa es la única diferencia de Antonin. Il est. Es. Je
Je parle en espagnol ou en français, je ne sais pas. Parler. Moi, je comprends les deux. Alors, je parle en espagnol. Me ha encantado que hemos empezado con el juego, ¿no? Yo cada año hay un encuentro de alguien. Voy a dar un momento de mí, pero para preguntar después algo. El año pasado conocí en Ale una mujer para mí muy interesante, con cuatro niños. Yo quería saber un poco cómo funcionaba durante el día con sus hijos. Y ella me dijo, les dejo jugar. De verdad. Y eso para mí fue como una libertad. Más bien, con esa mujer me abrió algo. Como diciendo, yo de verdad debo cambiar cosas en mi casa, con mis hijos. Debo dejarle mucho, mucho que jueguen. Y eso me abrió una puerta en mi corazón muy importante. Alors, pregunto otra cosa por tus padres. ¿Tus padres te dijeron, no, no es el momento? ¿Entendéis lo que quiero decir? Cuando ellos están haciendo algo, cuando están haciendo algo, tú estás haciendo algo y dices, ¿me puedes ayudar? Ellos te dijeron, no, ahora no es el momento. ¿Alguna vez? Es que estamos en un momento, pero aquí, que tú no te pones. No, pero no, no, pas le moment. Non, pas maintenant. Tu es en train de jouer ou tu es en train de faire quelque chose? Alors, mais c'est les attentes. Je n'étais pas préparé à prendre 2 heures pour aller du numéro 163 au numéro 3 de la rue Falguière. Mais c'est ce que volvemos al tema de lo que se espera de los niños. Él no estaba en la historia de Antonio, no estaba preparado para estar 2 horas yendo de un número al otro número de la calle. On ne cherche pas à vivre la même vie avant et après la naissance des enfants. Il s'agit juste de vivre ensemble. Et quand on vit ensemble, il y a des choses tout d'un coup qui ont une priorité. Et chez nous, certaines choses... parce qu'il ne faudrait pas croire, on parlait de discipline tout à l'heure, il y avait un cadre chez nous. Et quand il était petit, il y avait discipline. Un cadre. Un cadre. On a toujours l'impression, on nous présente la discipline comme quelque chose qui vient de l'extérieur nous structurer. Parce que siempre se presenta la disciplina como algo que viene del exterior para. C'est l'inverse. La structure, la discipline vient de l'intérieur. C'est ça la discipline. Alors, trois types de règles. Vamos a hablar de tres tipos de reglas. Les règles personnelles. Les règles personnelles. Par exemple, moi je me lève tous les jours entre 5h30 et 6h pour jouer de la guitare pendant une heure. Por ejemplo, él se levanta todos los días entre las 5h30 y las 6 para jugar guitarra durante una hora. C'est une règle personnelle. Es una regla personal. Que j'ai introduite moi. Que yo misma me he introducido. D'écrire une page chaque jour. Escribir una página cada día. C'est une règle personnelle. Una regla personal. Après, il y a les règles familiales. Después están las reglas familiares. Qui font partie de ce qui crée le foyer. Que forman parte del hogar. Les couleurs, les odeurs. Los colores, los olores. Les décisions. Las decisiones. On mange à heure fixe, tous ensemble. Comemos a hora fija, todos juntos. On se lave les mains avant de manger. Nos lavamos las manos antes de comer. On ne porte pas de chaussures dans l'appartement. No llevamos zapatos en el piso. Ce sont des règles familiales. Son reglas familiares. Mais surtout, ce sont des rituels. Pero sobre todo son rituales. Et les enfants adorent les rituels. Y los niños y las niñas les encantan los rituales. Les enfants veulent entendre la même histoire tous les jours. Los niños quieren escuchar la misma historia todos los días. C'est logique. Mon rituel du dodo. Por ejemplo. Es su ritual para ir a dormir. Était composé de certains éléments. Estaba compuesto de ciertos elementos. Papa et maman. Papá y mamá. Le bisou du soir. El besito de la noche. La même histoire. La misma historia. La petite couverture de Moher jusqu'ici. La pequeña manta de Moher hasta aquí. La petite peluche à mes pieds. Un peluche ahí en sus pies.
et 8h30 du soir. Y las 8:30 de la noche. S'il manquait un élément, si faltaba un elemento, je ne pouvais pas m'endormir dans, le même, dans la même tranquillité. No podía dormirse en la misma tranquilidad. Alors quel élément pouvait manquer? ¿Qué elemento podría faltar? Papa ou maman n'étaient pas là. Papa, maman no estaban. La peluche dans la machine à laver. El peluche en la lavadora. Pour une raison ou pour une autre, on n'était pas à la maison. Por una razón u otra, no estábamos en casa. Ou il n'était pas 8 heures. O no eran las 8. Ça me dérangeait s'il manquait un élément du rituel. C'est très important de se coucher à 8h30. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pas un problème pour moi d'interrompre le jeu. Parce que je savais que je pourrais continuer à jouer après. Et puis il y a un troisième type de règles très important. Y hay un tercer tipo de reglas muy importante. Ce sont les règles de la société. Las reglas de la sociedad. On roule à droite. Manejamos por la derecha. Parce que sinon personne ne roule. Porque sinon nadie puede ir. Un enfant le comprend très bien. Un niño lo entiende perfectamente. On s'arrête au feu rouge. Nos paramos al semáforo rojo. Vous auriez dû voir la tête d'Antonin quand il a vu quelqu'un passer au rouge récemment. Sí, Antonin se quedó muy estupefacto cuando vio a alguien pasar saltarse el semáforo rojo. Que le cours d'algèbre avait lieu le mercredi à 14h. Que la clase de algebra tenía lugar el miércoles a las 2. C'était pas la peine d'y aller le dimanche à 10h. Que no era necesario ir el domingo a las 10, claro. Ça, ce sont des règles de la société. De la sociedad. Et à l'intérieur de tout ça, il y a toujours des moments exceptionnels. Y dentro de todo esto, siempre hay momentos excepcionales. Le jour où on est obligé de réveiller un enfant. El día en que se obliga, tenemos obligación de despertar. Parce qu'il y a un avion à prendre. Porque hay que coger un avión. Mais le lien, s'il existe, un nexo, si existe, fait qu'on partage aussi ça. Hace que compartamos también esto. Parce que ça répond à ta question. Contesta tu pregunta. Je voulais surtout savoir si tes parents étaient tout le temps là au moment où tu en avais besoin. Ils étaient jamais là. Nuestra amiga nos pregunta si sus padres estaban siempre disponibles para él. Y él nos dice que nunca estaban. C'est une erreur. C'est une erreur de croire que les parents sont là pour les enfants. Bueno, dice que es un error pensar que los padres están siempre para los, que están para los niños. Ma maman n'a pas arrêté son travail. Mi mamá no dejó de trabajar. Pour nous occuper de nous. Para ocuparse de él y su hermano. Elle a arrêté son travail a dejado pour elle. Su trabajo para ella. Parce qu'elle ne voulait pas rater l'enfance de ses enfants. Porque no quería perderse la infancia de sus hijos. C'est pas pour nous qu'elle l'a fait. No lo ha hecho por ellos. Elle l'a fait pour elle. Sino que lo ha hecho por ella. Alors c'est pas la peine de se préparer à être là tout le temps parce que les enfants sont tout le temps dehors. Entonces no es necesario prepararse para estar siempre porque los niños siempre están fuera. Parce qu'on a l'impression que ne pas aller à l'école c'est rester à la maison avec les parents qui vous enseignent. Porque parece ser que estar educados en casa es estar encerrados en la casa con los padres. Qui vous enseignent. Que les enseñan. Et c'est pas comme ça. No es así. Pour moi, ne pas aller à l'école, c'est la meilleure manière d'aller dans le monde. Para él, no ir al cole es la mejor manera de ir a ver el mundo, de estar en el mundo. Et c'est ce que j'ai fait toujours. Y es lo que siempre he hecho. Et mes parents étaient toujours aussi dans le vaste monde, et moi avec eux parce qu'on vivait ensemble. Y sus padres siempre también estaban por el mundo. Je n'ai jamais vécu chez mes parents. Nunca vivió en casa de sus padres. J'ai toujours vécu avec mes parents. Siempre vivió con sus padres. Est-ce que ça répond à tes questions? ¿Está tu pregunta? C'est inutile de préparer un environnement quelconque. No es inútil preparar cualquier. L'environnement préparé, Montessori. El ambiente, sí. No es necesario preparar ningún ambiente. Toute spécial. Préparation de temps, de géographique ou de matériel. Cualquier préparation de tiempo, geográfica ou de matériel est destinée à rassurer les parents. Está para que los padres se sienten tranquilos. Mais elle est toujours délétère pour les enfants. Pero siempre es deletaria, mala para los niños. Ça répond à ta question de respuesta. C'était une attitude générale de mes parents. C'était le fameux feu vert dont j'ai parlé tout à l'heure. Era una actitud general de mis padres, lo que dije antes del semáforo verde. À partir du moment où l'enfant a reçu
ce signal de la part de ses parents, y cuando un niño ha recibido esa señal de los padres, il est en sécurité, il se sent en sécurité. Se siente seguro. Dans le monde, en el mundo, tel qu'il est, tal como es, et il est bien comme il est. Y se siente bien como es. Et moi, j'ai toujours été dans le monde. Y yo siempre me he sentido en el mundo. Dans le monde, avec toutes les couleurs de peau. En el mundo, con todos los colores de piel. Toutes les religions. Todas las religiones. Tous les âges. Todas las edades. Et ce qui m'a amené à rencontrer les gens, c'est pas notre âge et notre lieu de vie. Y lo que me ha llevado a conocer a gente no ha sido la edad o el lugar donde vivíamos. C'était nos intérêts communs. Eran nuestros intereses comunes. J'ai jamais eu à être avec des gens dont je ne partageais pas l'intérêt. Nunca he tenido que estar con gente con la que no tenía ningún interés común. J'ai toujours été des gens avec lesquels je partageais des intérêts, avec lesquels j'échangeais, qui m'apprenaient beaucoup de choses, auxquels j'apportais beaucoup de choses, comme Antonin dans la ville. Siempre he estado con gente con la que compartía intereses, de la que aprendía y a la que enseñaba cosas, como mi hijo en la vida. Et c'est, on est tellement bourré, on est tellement plein de préjugés. Estamos siempre tan llenos de perjuicios. Par exemple, on a l'idée de l'autonomie. Por ejemplo, tenemos la idea de la autonomía. L'idéal de l'autonomie. L'idéal de autonomía. Alors, ne parlons pas de la crise d'adolescence. No hablemos de la crisis de la adolescencia. Si on va en parler, d'accord. Si vamos a hablar, ah, vale. Non, parce que je suis un enfant de 42 ans. Parce qu'elle est un niño, elle ne sait rien. Donc, je ne suis pas passé. J'attendais la question, merci. Non, de quoi on parlait? De l'autonomie. On a cru pendant des décennies. Hemos pensado durante decenas de años. On en a fait un dogme. Hemos hecho de l'autonomie. Qu'il fallait que les enfants soient autonomes. On les a enfermés dans leur chambre et dans leur lit. Los niños tienen que ser autónomos. Se les ha encerrado en su habitación, en su cama. Et on les a laissés pleurer toute la nuit. Y les hemos dejado llorar toda la noche. Pour qu'ils apprennent l'autonomie. Para que sean autónomos. Et maintenant, la neurobiologie nous dit c'est l'inverse de la vérité. Y ahora la neurobiología nos dice que es lo contrario. L'enfant a besoin d'un port d'attache sûr. El niño necesita un puerto de duquel il sort. De donde se va después. Pour offrir l'autonomie à ton enfant. Para darle autonomía a tu hijo. Offre-lui du lien. Dale nexo. Le plus de lien possible. Cuanto más nexo posible. C'est ça, c'est ce qui résume de manière subliminale l'attitude de mes parents. Es lo que resume de manera subliminal la actitud de mis padres. Je suis très reconnaissant, oui. C'est pour ça que je dis que la seule chose d'admirable, c'est leur décision. Por eso dice que lo único admirable es su decisión. Le reste, c'est tout à fait banal. Lo demás es lo más normal. Mais essaye aussi. Pero inténtalo también. Tu vas voir? Ya verás. C'est tout simple. Es muy sencillo. Il faut attraper un micro si je ne peux pas me permettre. Primero, gracias porque me está encantando escucharte. Y segundo, gracias porque precisamente yo no hago nada en casa, no les enseño nada y solamente les dejo jugar. C'est la chose la plus sensée que tu puisses faire. Es lo más sensato que puedes hacer. Sí, como mis compañeras y por aquí, de libertad. Pero hay un tema en el que es muy polémico, que lo ha nombrado también Isabel, que es el tema de las pantallas. Yo no tengo ningún problema y mi hijo juega a la pantalla todo lo que dé la gana. Y el resto de personas que creen en la autorregulación creen que la pantalla no se puede autorregular. Me gustaría saber tu opinión al respecto, para quedarme tranquila. Alors, o no. Por mí es muy práctico que Antonin... Para mí es muy práctico que Antonin me montre souvent comment me servir de l'iPad de sa mamie. Es, me enseñe cómo utilizar el iPad de la abuelita. Tu ne peux pas empêcher les enfants de nos jours. No puede, hoy en día no puedes prohibir a los niños d'utiliser cet outil incroyable, usar esas herramientas increíbles que son esas, las pantallas.
Et les écrans, les ordinateurs, Internet, c'est un outil extraordinaire. Es una herramienta extraordinaria. On n'est jamais assez tôt en contact avec ces machines-là. Nunca haces demasiado pronto para estar en contacto con esas máquinas. Mais c'est comme un marteau. Pero es como una, un martillo. C'est un outil extraordinaire. Es una herramienta extraordinaria. Tu peux te faire très mal avec. Pero te puedes hacer daño con ello. Mais. Pero. Tu ne te fais du mal. Solo te haces daño. Que si l'écran est la seule chose qu'on te propose. Pero solo te puedes hacer daño si la pantalla es lo único que te proponen. Si on te met devant un écran parce qu'on n'a pas de temps pour toi. Por ejemplo, si dejas al niño delante de la pantalla porque no tienes tiempo para él. Le problème des écrans, c'est que les enfants de nos jours ne sont pas le héros qu'ils voudraient être dans la vie. El problema de las pantallas es que hoy en día los niños no son los héroes que les gustaría ser en la vida. Mais ils arrivent à l'être dans ce monde virtuel. Pero en este mundo virtual sí que pueden serlo. Ça, c'est le danger. Eso es el peligro. Mais... Pero... Quel est le danger à utiliser les écrans? ¿Cuál es el peligro de usar las pantallas? J'ai jamais vu un enfant Yo nunca he visto un niño qui ne faisait que jouer avec un écran. Antonin adore ça. Que solo jugaba con cosas de pantallas. A su hijo le encanta esto. Il sait tout faire. Sabe hacerlo todo. Parfois 10 minutes. Pero a veces 10 minutos. Parfois 3 heures. A veces 3 horas. Et puis y... Le problème, c'est toujours notre vision des choses. El problema es siempre nuestra. Je connais nuestro punto de vista. Je connais un enfant qui n'allait pas à l'école. Yo conocí un niño que no iba al cole. Il avait 8 ans. Tenía 8 años. Et il y passait 8 heures par jour à regarder la télévision. Y pasaba 8 horas al día viendo la tele. Et alors nous, les adultes, on est là, oulala. Y entonces nosotros los adultos, pues nos parecía muy, oulala. Très dangereux, n'est-ce pas? Oui, peligroso, ¿verdad? Et on voudrait intervenir. Y queríamos intervenir. Oui, mais il se trouve que cet enfant voulait devenir... Pero este niño quería ser... Très beau autor. Guionista. Guionista. Oui, qui écrit en plus les séries télévisées. Guionista. Guionista? Quelqu'un qui écrit des scénarios pour... Voilà. Il était en train d'apprendre son métier. Comment apprendre son métier autrement qu'en regardant? Il est devenu scénariste pour la télévision. Si on l'avait empêché de regarder la télévision, on l'aurait empêché d'apprendre son métier. Ça répond à ta question ou pas du tout? Contesta tu pregunta. De l'adolescence? Tienen que hablar de la adolescencia. Alors, l'adolescence n'existe pas. L'adolescencia no existe. Je me réjouis de vous annoncer aujourd'hui que la société post-œdipienne a commencé. Os, tengo la alegría de anunciaros que la sociedad post-œdipo ha empezado. Post-édipique. Post-édipique. Merci. Alors, je n'ai pas connu de crise d'adolescence. Él no ha conocido crisis de adolescencia. Pour une raison toute simple. Pero una razón muy sencilla. Si on enlève le cadre dans lequel on attend la crise d'adolescence, elle n'a pas lieu. Si quitamos el marco donde se espera que tenga lugar la crisis de adolescencia, no tiene lugar. Si personne ne l'attend, elle n'arrive pas. Si nadie la espera, no llega. Si personne... C'est plus simple, j'ai jamais eu à me battre es más fácil. Él nunca tuvo que luchar pour obtenir une liberté para obtener una libertad que j'ai toujours eue. Que siempre ha tenido. J'ai pas eu à me battre pour une indépendance no ha tenido que pelearse para tener que j'ai toujours eue. Que siempre le han dado. J'ai pas eu à me battre pour regarder les autres les yeux dans les yeux. Nunca ha tenido que pelear para ver, mirar a los otros en los ojos. J'ai toujours regardé les autres dans les yeux. Siempre he mirado a los demás. J'ai jamais eu à attirer l'attention sur moi. Nunca he tenido que atraer la atención sobre mí. J'ai toujours été l'objet d'attention. Siempre he sido objeto de atención. J'ai jamais eu à me battre pour porter des responsabilités dans mon clan. Nunca he tenido que pelear para tener responsabilidades en mi clan.
J'ai toujours porté des responsabilités. Siempre he tenido responsabilidades. Il y a une histoire, ça me rappelle toujours une histoire toute simple. Siempre me recuerda una historia muy sencilla. Un ami à moi, auquel un collaborateur a dit ma femme m'a tout pris après le divorce. Un amigo mío colaborador me ha dicho, uy, mi mujer se ha llevado todo tras un divorcio. Me ha cogido todo. Et cet ami lui a répondu, mais tu lui avais donc rien donné? Y entonces su amigo le contestó, pero es que entonces no le habías dado nada. Si tu lui avais donné tout. Si lo hubieras dado todo. La vie là. Si tu lui avais donné tout, elle aurait rien eu à prendre. Si lo hubieras dado todo, entonces no hubiese tenido que llevarse nada. Mais moi j'ai jamais eu à prendre ma liberté, on me l'avait toujours donné. Yo no he tenido que coger mi libertad porque siempre me la habían dado. Alors si on oublie, si on ne pense pas que c'est le saint processus d'autonomisation, et si nous pensons que c'est le saint procedimiento de autonomía, et si l'enfant de toute manière a toute son autonomie avant, y si el niño ya de por sí tiene toda su autonomía, et ben il n'y a pas d'adolescence. Entonces no hay adolescencia. Et on reste un enfant de 42 ans. Y seguimos siendo un niño de 42 años. Alors, d'abord, ça n'existait pas à mon âge, à mon époque. Et moi, tous les jeux informatiques, tous les jeux vidéo et toutes les émissions de télévision m'ont toujours beaucoup ennuyé. Todos los juegos, los programas de televisión y todo esto siempre le han aburrido mucho. Parce que moi, je suis quelqu'un de très très manuel. Porque es alguien muy muy manual. Mais ça, c'est moi. Pero ese es él. No, quería preguntarte si se te ocurre alguna forma para que puedan recuperar el entusiasmo los chavales o adultos que han perdido el entusiasmo durante las cosas. No, j'ai pas de méthode. No tiene método. J'ai une suggestion. Tengo una sugestión. Regardez des petits enfants. Miren los niños pequeños. Vivez avec des petits enfants. Vivan con niños pequeños. Comme le pizzaiolo. Comme le pizzaiolo. Mais je ne vous livrerai jamais de méthode parce que c'est pas une méthode. Pero no puedo daros un método porque no hay método. Je n'ai aucune solution pour vous. No tiene ninguna solución para nosotros. Je peux à la rigueur, et ça c'est mon travail. Eso sí, por mi trabajo. Je peux vous donner envie de réfléchir à une solution qui vous serait personnelle. Os puedo dar las ganas de pensar en una solución que sería personal. Je peux peut-être vous donner une inspiration pour retrouver votre propre pertinence. Alguna inspiración para volver a encontrar vuestra propia pertinencia. Pertinencia, por favor. Pertinencia, ¿no? ¿Sí? Pertinencia. No, pertinencia. ¿Alguien conoce la palabra pertinencia? Sí, pero no me llega con lo otro. Sí. A ver. Que encontré con nuestro entusiasmo. Pertinencia. Ah, ça peut vous inspirer. Puede inspirar. Pour retrouver votre propre pertinence. Para volver a encontrar vuestra propia pertinencia. Bien sûr, mais la pertinence de... La pertinence, c'est... La phrase entière en français. Je peux entendre parler de mon histoire peut vous inspirer, vous inciter à retrouver ce qui est pour vous pertinent. Vous voyez à peu près. Ok. Merci. Les écrans.
Alors, tous à Wikipédia ce soir, pertinencia. Qui no conocía la palabra pertinencia? Una pregunta, por favor. ¿Más preguntas? Yo te quiero preguntar. Sí. Cuando tú pedías algo para satisfacer tus necesidades de juego a tus padres, si eso que pedías te lo ofrecían inmediatamente, o si esperaban a que insistieras. Je le raconte dans le livre. Esto lo cuento en el libro. Par exemple, ma passion pour la technique. Por ejemplo, mi pasión por la técnica. Passait par le Lego technique. Pasaba por lo que era el Lego technique. Mais le Lego technique, c'était très cher. Pero el Lego technique era muy caro. Et j'ai dû apprendre à attendre. Y tengo que aprender a esperar. Parce qu'on pouvait pas m'acheter tous les Lego techniques. Porque no le podían comprar todos los Lego techniques. Mais il y a d'autres. C'est toujours un jeu de vie ensemble. Pero siempre un juego de vida juntos. On ne pouvait pas acheter les Lego techniques toutes les semaines. Mais du coup, il y avait cette attente et cette recherche et cette patience. Pero no se podían comprar Lego techniques todas las semanas. Pero entonces estaba el juego de esperar, de tener paciencia. Et il y a aussi l'inverse, par exemple. También de lo contrario, por ejemplo. Le soir même de l'histoire de la pelleteuse. La misma noche de la historia de la excavadora. J'ai commandé une pelleteuse grande comme ça. He pedido una excavadora así de grande. Pour l'offrir à Antonin. Para regalársela a Antonin. C'est le processus inverse. C'était moi qui lui ai fait ce cadeau-là. Entonces era el procedimiento inverso. Yo le regalé esto. Bon, j'étais pareil avec le camion. Bueno, también había hecho lo mismo con el camión. Et il a joué avec l'emballage. Y ha jugado con la caja. Mais beaucoup de choses, tu verras, si tu lis le livre, tu verras que beaucoup de choses, je les ai construites moi-même. Si lees el libro, crees que muchas cosas las he construido yo mismo. Et si tu regardes les enfants, ils n'ont pas besoin de tellement de matériel pour jouer. Y si miras los niños, pues ves que no necesitan tanto material para jugar. C'est incroyable peu de matériel leur suffit. Es increíble lo poco, el poco material que necesitan. Antonin prend... Pendant 3 heures, c'est une machine à laver. Ah si, durante 3 horas y es una lavadora. Il a pas besoin que je lui offre une machine à laver. No necesita que le regale una lavadora. N'importe quel bout de bois un peu carré, c'est une voiture. Cualquier trocito de madera medianamente cuadrado es un coche, por ejemplo. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on l'imagine. Mais pour répondre à ta question, nous n'avions pas beaucoup de moyens, donc pas beaucoup de jouets. Pero para contestar a tu pregunta, no teníamos mucho dinero, así que no teníamos muchos juguetes comprados. Ça répond à ta question? Contesta tu pregunta. Le micro. Sí. Mira, quería hacerte una consulta. Yo tengo una teoría o una apreciación que aunque venimos de una escuela que era bastante restrictiva, de unos padres que también lo eran, teníamos algo que hoy los niños no tienen. Teníamos la calle. La calle era nuestra, ¿no? Y en la calle podíamos ser. Y posiblemente sanar todo lo que traíamos de la escuela y traíamos del entorno familiar. ¿Crees que era imprescindible que los niños vuelvan a recuperar la calle? Alors, regarde, Antonin le fait. Por ejemplo, Antonin lo hace. Mais la ville n'est plus pensée pour les enfants. Pero la ciudad no está pensada ya para los niños. La rue n'est plus pensée pour les enfants. La calle no está pensada para los niños. La ville n'est pas pensée pour les enfants. La ciudad tampoco. La vie n'est pas pensée pour les enfants. La vida no está pensada para los niños. La vie n'est pas pensée avec les enfants. La vida no está pensada con los niños. Regarde, je travaille dans les milieux éducatifs. Mira, yo trabajo en los medios educativos. C'est toujours des adultes qui parlent d'éducation. Son siempre los adultos quienes hablan de educación. Jamais on ne parle avec les enfants. Nunca hablamos con los niños.
Les enfants ne sont pas présents dans notre société. Los niños no están presentes en nuestra sociedad. Alors oui, tu sais pourquoi? Parce que de toute manière, dans quelques décennies, on ne pourra plus rouler en voiture. Entonces, ¿sabes por qué? Porque dentro de unas decenas de años no podremos ya conducir coches. Il n'y aura plus d'essence. Ya no habrá gasolina. Alors les voitures serviront peut-être de jouer aux enfants. Entonces, a lo mejor las coches servirán de juguetes a los niños. Mais c'est très souhaitable de rendre la rue aux enfants. Pero estaría muy bien devolver la calle a los niños. Moi, si tu veux y travailler, je suis partant. Si tú quieres trabajar en esto, pues adelante. On va redonner un peu de couleur à la ville. Volvemos a dar un poco de color a la ciudad. Ya bueno, la reflexión venía por una charla que escuché a Francesco Tonucci y todo el trabajo que él realizó, ¿no? De intentar recuperar la calle en Roma, en su ciudad. Y él se fue a preguntar a los niños. Realmente, le dijo, ¿qué necesitáis para poder reproducir en la ciudad? Y va por ahí. Siento insistir en el tema, pero yo he reflexionado sobre el tema de los videojuegos. En algún momento de tu larga infancia, de 42 años, ha habido videojuegos, aunque sean menos sofisticados. Mi marido tiene 39 años y él ya tenía videojuegos en su época, o sea, en su infancia. Entonces, ¿no crees que tus padres de alguna manera propiciaron que no te llegaran esos videojuegos, aunque fueran menos sofisticados, ¿no? Pero estaban ahí? Yo, la percepción que tengo cuando observo en general a niños que utilizan videojuegos es que pierden entusiasmo, pierden creatividad, lo que yo percibo. Entonces, me da la sensación, igual me equivoco, de que igual tus padres propiciaron que no te llegaran estos aparatos. La absence de crainte. La ausencia de temor de sus padres. La absence d'attente. La ausencia de estar esperando algo. C'est tout. Ya está. Essaye, tu vas voir. Pruébalo y ya verás. Parce que si tu apportes une influence à ça. Porque si tú traes a una influencia. Si quelque part en toi tu te dis est-ce qu'il va apprendre. Si tú estás con el tema de que a ver si aprende. Tu troubles le jeu. Entonces ya cómo decirlo, no le dejas jugar, o sea, le cambias algo a la. Tu troubles le processus. Del procedimiento del juego. No es la preocupación porque aprendan, sino porque no pierdan el entusiasmo. ¿Y pierden pan? No pierden entusiasmo. No, cuando están en la pantalla durante horas, en mi caso no nos pasa, pero que yo percibo en los niños que están mucho tiempo con las videoconsolas, que pierden el entusiasmo, ya no juegan. Quand ils sont trop sur les. Ouais, quand ils passent leur temps à jouer sur les jeux consoles, par exemple, ils perdent leur enthousiasme. Non, mais alors, c'est une problématique personnelle. Non. Ah. Non, mais à la raïs de la réponse qui a donné avant, de la. Ah, mais tu parles d'enfants qui vont à l'école. Les enfants qui vont à l'école. En général, qui vont à l'école ou qui ne vont pas à l'école. Ah non, mais. Alors, tout à fait d'accord avec toi. Parce que la plupart des enfants sont des enfants. D'enfants qui sont allés à l'école. Es que también porque esos niños son niños de niños que han ido al cole. Qui partagent cette attitude. Que comparten también esa actitud. Qui n'ont jamais connu l'attitude comme celle que ont pu avoir mes parents. Pero que no han conocido, por ejemplo, la actitud que han tenido sus padres. Les enfants dans le monde que nous connaissons ne jouent pas depuis leur première minute. Los niños en el mundo que conocemos no juegan desde el primer minuto. Ils n'arrivent pas à être dans la vie les héros qu'ils ont envie d'être. No pueden en la vida real ser el héroe que quieren. Alors ils cherchent d'autres lieux où être des héros. Entonces buscan otros sitios donde ser los héroes. Je te parle vraiment de l'enfant que l'on laisse dans sa disposition spontanée. Pero te hablo del niño que realmente dejamos en su disposición espontánea. Et là, on ne connaît pas parce qu'on n'en a presque pas d'exemple. Y ahí no sabemos porque casi no tenemos ejemplos. Et sinon, oui, bien sûr, si à partir du moment où on a appris une certaine attitude, ça peut être un grand danger. Et claro, en el momento que tomamos cierta actitud, entonces sí que puede ser tener cierto peligro. Mais c'est un autre débat dans lequel je ne suis pas compétent. Pero es otro debate donde él no es competente. Ma compétence est très limitée au cas d'un enfant qui joue pendant 42 ans avec l'attitude
de ces personnes de référence primaire dont on a parlé tout à l'heure. Él solo puede hablar de, del caso de un niño de 42 años que sigue jugando. Dans l'attitude de ses parents. En, dentro de l'actitud de sus padres como referencias primarias. C'est la seule chose à laquelle je peux répondre. Le reste, pour moi, c'est d'ordre trop général. Es lo único que puedo contestar porque lo demás después es demasiado general. Hola. Mi pregunta es que aunque hace un cierto tiempo y no es lo mismo que ahora, ¿cómo vivías tú el contacto con otros niños que iban al colegio? ¿Qué te decían? ¿Cómo tenías tú ese sentimiento? Porque claro, yo tengo dos niños, una niña de 10 años, y entonces ahora sus amigos, la mayoría de sus amigos, porque vivimos en una ciudad, van al cole. Entonces ella a veces no sabe explicarle, hay un cierto choque, ¿no? Todavía, en la que ella no puede explicar, no sabe explicar. ¿Tú cómo vivías esa situación? Alors, la situación es que j'ai eu très peu de contacto avec d'autres enfants. Nos dice que la situación es que ha tenido muy pocos contactos con otros niños. Parce que ça, c'est une idée de la tête. Porque une idée de la tête, c'est une idée d'adulte. Ah, porque eso es una idea de adultos. Que les enfants cherchent le contact avec d'autres enfants. Que los niños quieren contacto con otros niños. Non, les enfants cherchent perpétuellement le contact avec d'autres humains. Los niños quieren contacto, están buscando contacto con los otros humanos. Donc, il y a aussi des enfants. Entonces sí que hay también niños. Mais pas seulement des enfants. Pero no solo niños. Donc oui, il y avait des enfants dans mon entourage. Et des enfants qui allaient à l'école. Y niños que iban al cole. Mais les enfants sont très simples. Pero los niños son muy sencillos. Les enfants observent les différences. Los niños observan las diferencias. Ils les reconnaissent. Las reconocen. Et ça, il y a un grand, un petit, un rapide, un lent. Hay uno grande, uno pequeño, uno lento, uno rápido. Il n'y a pas de choc. Okay. Alors, les enfants en général me disaient, tu vas pas à l'école, oh, t'as de la chance. Ça me donnait une orientation. Ensuite, dans la vérité de la vie, telle que je la décris là. Luego, en la realidad de la vida, tal como la describo ahora. La réalité sociale. La realidad social. Les autres ne sont pas des concurrents. Los demás no son competencia. Ne sont pas des concurrents contre lesquels on lutte. No son competencia contra los que se lucha. Les autres sont des partenaires. Los demás son partenaires. Socios. Sí, socios. Des partenaires. Compañeros, gracias. C'est-à-dire que toi, tu viens avec ta compétence. Tú vienes con lo que tú sabes. Toi avec la tienne. Tú con lo que sabes. Ta compétence. Tu competencia. Ah bon? Ah, alors d'accord, ok. Et ton savoir et ton savoir et ton savoir et mon savoir ensemble, où ça nous mène? Tu saber, más el tuyo, más el suyo, ¿dónde nos lleva? Et tu fais cette expérience qu'en conjuguant nos forces, y haces, tienes la experiencia de que uniendo todas las fuerzas, on arrive à des buts plus élevés, se lleva a objetivos más elevados, que seul, que uno solo, ou que contre les autres. O que contra los demás. Ça répond à ta question? Podría llegar. Allez, on va répondre encore à une question et puis il va falloir. Una pregunta más. Ça fait presque 2 heures que je parle. A ver, yo estoy en una lucha constante con el tema de las pantallas. No sé si servirá mi experiencia con mi hijo para la pregunta que estabais haciendo. Mi hijo va a cumplir ahora 11 años. Lleva varios años que tiene mucho interés en los juegos. Es más, lleva un año y medio jugando un juego en concreto que se llama Minecraft a través de internet con otro niño. Y bueno, tiene un amigo de 12 años que va al colegio y el amigo viene a jugar con mi hijo de 10 años porque mi hijo sabe jugar, pero no viene a jugar a pantallas, viene a jugar a otros juegos porque mi hijo sabe jugar y dice que los niños de su edad no saben jugar. No sé si servirá. Sí, es muy precioso. Eso es muy bonito lo que estás diciendo. Alors, je suis là toute la soirée. Estoy aquí toda la
Et sinon, je suis aussi facile à atteindre par Internet. Sinon, me podéis encontrar fácilmente por Internet. La meilleure question, la plus importante, vous viendra à l'esprit demain matin. La pregunta más obvia os llegará mañana por la mañana, cuando estéis cuando ella no esté, claro. Alors, envoyez-moi un email. Entonces, ¿me podéis mandar un email? Je réponds à tous les emails. Contesto a todos los emails. Je suis très occupé à raconter cette histoire. Estoy muy ocupado contando esta historia. Ce qui fait que parfois, ça dure 3-4 semaines avant que je réponde. Entonces, pues, a veces hay que esperar 3 o 4 semanas antes de que conteste, pero siempre contesto. Allez, enthousiasmez-vous. Y entusiasmado. Thank you.